Il est où mon témoin? Il est allé acheter une ruche avec Julien. Ah, ça marche l'apiculture? Oh, pff, on est dans le bio jusqu'au cou. Non, avant c'était un agréable passe-temps, mais alors là, on est passé à l'industrie lourde. Isaac et Julien, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils arrivent. Cette ruche, il est parti la chercher sur la Lune? Dépêche, on va être en retard, je te rappelle que je suis témoin de la mariée. Je trouve pas mes boutons de manchette. Mais dépêche-toi, même Carla, elle est prête avant toi. Ça va, Jérémy, hein. Bon, on avance, tu nous rejoins. Ok. Allez. C'est elle aussi. Oh, ça c'est qui? Dis pas que t'es surpris de nous voir, je te croirais pas. Je sais, Jean-Pierre, je te dois de l'argent. Attends. Norbert, je vais vous le rendre votre pognon. Bah tu vois quand on demande gentiment, hein. Par contre, je l'ai pas sur moi, là. Eh bien, on va aller chercher. Eh bien voilà, on est quitte. Tu vas bien nous offrir un petit verre? Cassez-vous, bande de salauds. Vous pouvez pas faire attention? Oh, ta gueule, Pépé, hein. Viens lui dire en face, son Pépé. Arrête. C'est un vieux con, laisse tomber. Cette robe est un ravissement. Merci. Bonjour. 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 Bonjour, René. Alors, Robert, c'est le grand jour. Ah, tu vois, j'ai fait des centaines de mariages, mais là, c'est le mien. J'ai une boule, là. T'inquiète pas, à notre premier mariage, Jacques, il a failli tomber dans les pommes. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas le croire, la mariée, elle s'appelle Maïlyn. Bah oui, je sais. Ce que tu sais pas, c'est que je la connais. Comment ça, tu la connais? Et il y a 2 ans, j'étais encore en formation, elle est venue faire un stage de pâtisserie. Et figure-toi que c'était moi, son chef de stage. On s'entendait bien et le dernier jour, on a été boire un verre et voilà. Bah voilà quoi? Bah tu veux que je te fasse un dessin? Oh non, tu t'es envoyé la fête du maire! Je pouvais pas prévoir! Putain, mais Jérémy! Mais attends, elle devait repartir au Vietnam. Je pouvais pas imaginer que j'allais la retrouver là comme ça. Jérémy? Salut! Je suis contente de te revoir. Moi aussi. Fred, ma sœur. Enchantée, enchantée. C'est moi qui vais être votre témoin, comme vous connaissez presque personne. Oh là là! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'avais oublié un truc, je suis retourné le chercher et je me suis fait agresser par une bande de types qui rigolaient. Ils m'ont tabassé, ils m'ont obligé à ouvrir le coffre. Non! Ouais. Faut aller porter plainte, hein! Bah, ça sert à rien, ils s'étaient cagoulés, je te dis, j'ai rien vu. Bah oui, mais faut quand même porter plainte! En attendant, viens à la pharmacie, je vais te faire un pansement. Attends, ils étaient combien? Bah, je sais pas, ils sont arrivés par derrière, mais j'irais 3-4 au moins. Ils étaient 2. Je les ai vus, tes gars. Crois-moi, je saurais les reconnaître. Mais ils avaient pas de cagoules? Non. Bah, je sais pas, ils avaient pu les enlever. Ils vont pas garder les cagoules sur la tête toute la journée. En tout cas, je suis pas prêt de les oublier. Ils m'ont traité de pépé. Ils sont photographiés là. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de me suivre. Nous allons procéder à la cérémonie, monsieur le maire. Mmh.
à la bourre, quelle heure y est? Ben, on devrait y être. Je tiens d'abord à remercier l'usine Smartex, qui fabrique des vêtements de fête, et grâce à qui tous ces messieurs sont si élégants aujourd'hui. Avec monsieur le maire, nous avons réussi à éviter la délocalisation qui menaçait la seule PME de Noyères, et nous en sommes très fiers. Alors Robert, monsieur le maire, en tant que première adjointe, je n'ai jamais célébré un mariage. Je dois dire que je commençais à désespérer. Il a fallu, pour parvenir à mes fins, que j'attende que tu te décides enfin à te marier. Moi, me déshabiller, je suis à la bourre. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis à la bourre. Mais on s'en fout, t'es pas témoin. Allez, allez, tire. Allez, assieds-toi. Tire, tire. Les chaussures, les chaussures. C'est bon, allez, bagarrer la voiture. Bah où ça? Où ça? À la maison, on va pas laisser ça là. Mais enfin, Jacques, je vais rater le mariage. On s'en fout, t'es pas témoin. Allez, file. Allez. Bon, tu as été la chercher un petit peu loin, mais tout Noyères est heureux que tu aies trouvé la femme de ta vie. Alors maintenant, je... Alors donc, nous... T'es déjà là? Où t'as mis la voiturette? Je l'ai laissée devant. Je t'avais dit de la garer à la maison. Jacques, je ne peux pas porter la ruche tout seul, tu le sais. Est-ce que vous et moi, on voudrait bien se taire et prêter attention à ce qui se passe? Merci. Monsieur, mademoiselle, veuillez vous lever. Quoi encore? Mademoiselle Méline Nguyen, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux monsieur Robert Merlet, ici présent? Oui, oui. Et monsieur... Ah, attention. Robert Merlet, est-ce que vous acceptez... C'est nos abeilles. Pour épouse, mademoiselle Méline Nguyen. Oui. Échangez les anneaux. Alors, le registre. Signez là. Faut sortir, mes amis. Sortez. Chérie, restez pas là. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Mes amis, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais tous vous remercier d'être là. Voilà. Lorsque la maman de Stéphane nous a quittés il y a une dizaine d'années, ça a été très dur. J'avais accepté mon veuvage. Je pensais que l'amour, c'était fini pour moi. Seulement, voilà, il y a... quelques mois, nous recevions une délégation de négociants en vin vietnamien, et là, une charmante jeune fille, parlant remarquablement notre langue, les accompagnait comme traductrice et... Ce fut le coup de foudre, mutuel, enfin, j'espère, malgré la différence d'âge. Voilà, ce mariage est le résultat d'un merveilleux hasard que la vie nous réserve parfois. Méline, bienvenue dans ma vie. Et comment est-ce qu'on dit ça en vietnamien? Mot An Day Den Boy Doi Em. C'est joli aussi. Ah, c'est, oh, c'est bien, joli. C'est bien. C'est bien. On n'en veut pas trop pour les abeilles. Attends, tu sais que je t'en veux jamais très longtemps. Hein. Tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas mariés tous les deux. Ben dis donc, on s'est mariés deux fois, c'est pas mal, hein? Puis pour se remarier, il faudrait divorcer, alors non. Non, merci. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je reviens. Excusez-moi, je vous l'emprunte, j'ai rarement l'occasion de danser avec mon petit frère. Je vous en prie, merci. C'était là. Je faisais rien de mal. Tant mieux. T'es pas content de danser avec moi? Chers amis, événement exceptionnel, surprise exceptionnelle. Ma chère Catherine, c'est à toi. Mon Dieu, voilà le moment de la chanson légère. Un jour que je baignais dans une pleine eau, pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune un moment vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche, Phébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi.
Il y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait ah. Et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nu, toute nue. Sans cache truc ni soutien machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nu, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nu, plus que nu, super nu. Bravo. Merci d'être venu si vite. Où est la victime ? À l'intérieur, entrez. Ouais, attendez, attendez, attendez. Résumons-nous, hein. Je comprends pas tout, là. Ils étaient quatre. Non, ils étaient deux. Et ils étaient cagoulés ou pas ? Ça fait trois fois que je vous dis que oui. Mais vous, vous les avez vus sans cagoule. Sans cagoule ? Je me tue à vous le dire. Je suis formel, ils avaient des cagoules, comme des cagoules de moto. Ah, ça c'est vrai qu'ils sont partis en moto. Donc ils avaient des cagoules à la main ? Non, je crois pas, mais je suis sûr qu'ils sont partis en moto. Et vous n'avez pas reconnu leur voix ? Alors, comme vous voulez, je les reconnais, je les connaissais pas. Et comment ils savaient qu'il y avait un coffre, hein ? Tout le monde sait qu'il y a de grandes chances que des commerçants aient un coffre, hein. Ben oui, évidemment que tout le monde sait ça. D'ailleurs, le coffre, il était déjà là quand on a racheté la maison. Mais les deux gars, là, vous les aviez déjà vus avant ? Non, ils sont pas du village ni des alentours. Depuis le temps, je connais tout le monde. Et il y avait beaucoup dans le coffre ? Ouais, quand même, hein, la recette de la semaine. Ouais, il y avait la compte du vin que j'ai vendu la semaine dernière. Il y en avait pour 12 000 euros. Oh, mais vous inquiétez pas, monsieur les a vus, on va sûrement réussir à les identifier. T'en fais pas, on va les retrouver. Vous êtes sûr ? Bonjour les petites poulettes. Bonjour mes petites tomates. Bonjour mes petits haricots verts. Bonjour mes petits lapins. Ça va Sophie ? Ça va Jean-Claude ? Oh, ben vous avez plus d'eau là. Ça va petite famille ? Ça pousse ? Allez, voilà. Bonne journée. Alors ? Ouais, Jacques, elles sont en grève tes abeilles ? Peut-être leur laisser le temps de s'habituer. Et toi, tes chèvres, je comprends pas, elles donnent de moins en moins de lait. Ben, c'est la saison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui congèlent leur lait. Ça leur permet de faire du fromage toute l'année. Ah non, ah non, pas de ça chez moi. Pas chez moi. Chez moi, chez moi. À propos, Jacques, notre boîte, hein, s'appelle le bio de Jacques Beaumont. Eh ben, j'aimerais bien exister un tout petit peu. Julien, Julien, tu as la fierté mal placée. Je mets mon nom en avant parce que c'est mon argument de vente. Eurocarmout, c'est ça qu'ils veulent. Mon nom et la réputation qui va avec. Tu crois ? Bon, enfin, Julien, Julien, dans le monde de la grande gastronomie, mon nom, Jacques Beaumont, c'est énorme. C'est synonyme de qualité, d'excellence, et c'est ça qui va nous rapporter du pognon. Ouais, enfin, du pognon, heureusement que Patricia en gagne, hein, parce que... T'inquiète pas, Eurocarmout, c'est un gigantesque réseau de distribution. On va toucher le jackpot. Mais Jacques, quand est-ce qu'on signe ? Deux semaines, maxi. Et dans la foulée, on inonde le marché européen. Mesdames, messieurs, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Mmh.
Dis donc, elles sont déjà grosses, les courgettes, là. Dis donc, Julien, elle est où, Patricia? Eh ben, elle est à Paris. Bah, elle est de moins en moins ici. Au point d'un doute, ça va pas mal entre vous. Ah non, mais pas du tout, c'est parce qu'en fait, elle a de plus en plus de boulot. Et tant mieux, parce que c'est pas avec ce que je gagne avec ton mari. Bon, je vais emmener la petite à son cours de piano, tant que je peux encore les payer. T'es content, là, hein? Dans ton potager, avec tes poules, tes chèvres, tes lapins, tes abeilles. Ouais, enfin, je suis quand même un peu angoissé. À cause de ma négociation avec Rockermouth, tu sais. Ah oui, dis donc, en fait, c'est pas un peu mégalo de se lancer dans une entreprise pareille? Enfin, Catherine, c'est pour ça que je bosse comme un damné depuis 2 ans. Toute ma gamme de produits est associée à un grand réseau de distribution, la qualité au service du plus grand nombre. C'est toute ma philosophie, c'est tout ce dont je rêvais. Je suis contente pour toi. Oh. Mmh. Ah, on a réussi à se refaire une belle vie ici. Hein. Mmh. C'est vrai que je suis fier de nous. Ah, c'était pas évident, hein. Une reconversion à la campagne, là. Et tu sais, avec toi à mes côtés, je me sens invincible. Oh, c'est chouette d'entendre ça le matin. Ah, zut. Oh. Ah oui, eh oui. Qui t'embête? Je sais pas. Allô? Ah non, c'est pas possible. Oh! C'est pas vrai, ils l'ont fait. Bon, d'accord. Oui, ok, j'arrive. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah, tu sais, l'usine de confection Smartex, eh ben ça va fermer, ça y est. Ils ont décidé de délocaliser en Afrique du Nord, c'est épouvantable. Oh là là, c'est terrible. Non mais tu te rends compte, il y a 46 employés, 40 femmes, 46 ménages sur le carreau. Et qu'est-ce que tu peux faire? Bah écoute, je sais pas, ils ont une réunion, là, je vais y aller, je vais voir. Bon. Allez, je te laisse à tes travaux, je vais au mien. Allez, à tout à l'heure, Louise Michel. Croyez bien qu'on ne peut pas faire autrement. S'il vous plaît, monsieur le directeur. Écoutez, monsieur, je ne comprends pas. Voilà 3 mois, vous avez sollicité une aide de la région que vous avez obtenue, moyennant quoi vous ne deviez pas délocaliser cette usine. Oui, je sais, madame Beaumont. Seulement, les décisions ne viennent pas de moi. Mais vous deviez créer des emplois au lieu de ça vous fermer l'usine. Mais cet argent, il est où? Ils se le sont mis dans la poche, tu parles. Ouais, cet argent a été utilisé comme il se doit. Seulement, hélas, la direction générale à Paris a tranché. Votre direction générale, c'est pas l'honnêteté qui l'étouffe, hein. Parce que ce dossier d'aide a été monté grâce à moi, il a été obtenu grâce à moi. Je sais, mais... Il n'y a pas de mais. Vous allez m'obtenir un rendez-vous avec eux et je vais leur rappeler les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la commune, du département et de la région. Ouais. Voilà. C'est beau, ça. Quand c'est beau, c'est bio. Ça nous fait 38, madame Faber. Alors, à 50. Et alors, ça fait 50, ça nous fait et 12. Merci. Ah, elles sont vraiment délicieuses, vos terrines. Hein. J'en envoie toutes les semaines à ma famille à Paris. Vous avez goûté les nouvelles, aux bêtes genièvres? Tous mes amis me demandent si c'est moi qui les ai faites. C'est ça, la qualité maison. Et enfin, vos amis, s'ils aiment tant nos terrines, dites-leur plutôt de venir nous voir. Ça révélerait mon petit secret. Hein. Allez. Allez, au revoir, monsieur Beaumont. Au revoir, Julien. Au revoir, madame Faber. C'est vrai que ça arrange pas nos affaires. Enfin. Bon, allez, c'est du beau. C'est du bio, c'est du bon, c'est du Beaumont. Non. Délocalisation. Non. Délocalisation. Non. Délocalisation. Non. Délocalisation. Non. Délocalisation. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Jacques et Julien, les rois du bio, c'est quoi ça? Une affiche pour un film comique? Tout de suite le mépris. Je te l'ai dit, redis, ceux qui veulent, c'est moi. C'est mon nom, c'est Jacques Beaumont, c'est ça qu'ils veulent. Alors si je leur fais cette proposition maintenant, c'est un coup à faire capoter l'affaire, tu comprends? Égocentrique. Salut les garçons. Salut. On arrive de la gendarmerie. Et alors? Bah, ils ont arrêté 2 mecs qui avaient agressé une vieille dame. Rien à voir avec les agresseurs de Noureddin. Il est pas avec vous, Noureddin? Non, il est parti à Villeneuve-Chavigny acheter sa viande d'agneau. Pourquoi il va acheter sa viande à l'autre bout du département? Il est malade. Je sais pas, moi. Êtes-vous jeu, messieurs dames? Chez son ferré, ne va plus. Le 11, noir, impair et manque. Ah.
salauds, ils ont changé les serrures. Madame Grenier, bonjour. Mais vous avez rendez-vous avec Monsieur Calbert ? Ne vous inquiétez pas, il m'attend. Je viens de l'avoir sur son portable. Madame Grenier, n'avions pas rendez-vous ? Non, mais je pensais que ça vous ferait plaisir de me voir. Effectivement, je suis tout à fait ravi. Néanmoins, mon prochain rendez-vous ne va pas tarder. Il patientera. Alors, Monsieur Calbert, qu'avez-vous à me dire pour expliquer comment, en quelques semaines, vous avez réussi à me faire perdre tout l'argent que j'avais mis une vie entière à gagner ? Grâce, madame, je vous en prie, vous n'êtes pas la seule. Le malheur des autres ne m'a jamais procuré la moindre consolation. Je comprends, mais tout ceci est imputable à la crise inimaginable. Votre métier, Monsieur Calbert, c'est justement d'imaginer l'inimaginable et de prévoir l'imprévisible. C'est pour ça que pendant des années, je vous ai payé grassement, vous et votre banque. Asseyez-vous. La situation est très compliquée pour tout le monde. L'avenir de notre banque, et même le mien, est des plus incertains. Votre avenir, Monsieur Calbert, je m'en... Car à cause de vous, je suis ruinée. Ma maison, l'appartement de mon fils, tous mes biens immobiliers ont été saisis. Actuellement, mon fils et ma belle-fille sont au balang-balang, en train d'essayer de sauver la fondation que j'ai créée il y a quelques années. Tout ça à cause de vos conneries ! Je ne suis pas infaillible. Bon. Soyons pragmatiques. Puis-je avoir une ligne de découvert ? C'est tout à fait impossible. Nous avons des directives extrêmement strictes. Ah, Monsieur Calbert, comment voyez-vous mon avenir ? Je ne sais pas, mais le mien, comme je vous l'ai dit, s'annonce très sombre. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'abrège vos souffrances. S'il vous plaît, ne tirez pas. Qu'est-ce que ça vous rapporterait ? Une petite satisfaction personnelle, et par les temps qui courent, ça n'est pas négligeable. Mais enfin, vous voulez pas finir vos jours en prison ? Oh, j'ai des circonstances atténuantes. Et puis ça me fera un toit sur ma tête. Oui, Samaï. Oui, je suis bien arrivée. Écoute, je vais te rappeler parce que là, je suis en réunion. Non, mon chéri, tu ne m'as pas dérangé. Tu as même bien fait de m'appeler. Tu as empêché ta grand-mère de faire une grosse, grosse bêtise. Embrasse papa et maman. Vous devez la vie à un petit garçon adopté qui a passé ses plus jeunes années dans une misère.
les gens comme vous ne peuvent même pas imaginer. De la gare. Bah, t'aurais dû nous le dire, on serait venu te chercher. Oh, Reine, ça me fait plaisir, toi, tu peux pas savoir. Viens chez René et Jérémy, sont à la cave, ils vont venir t'embrasser. Dis donc, toi, une fois que t'as eu ce que tu voulais, c'est silence radio. Écoute, je suis désolé, Reine, mais en ce moment, je vais pas pouvoir. Mais il va bien falloir que tu puisses. Ça va pas être facile. Contrairement à ce que tu crois, c'est pas facile pour moi non plus. Bonjour, Reine. Bonjour. Salut, Reine. Salut. Tu vas avoir un petit coup, hein? T'as pas goûté notre dernière cuvée? Non, je suis désolée, je suis crevée, et puis j'ai envie de voir Catherine. Ah bah, je rentre chez moi, je te dépose. Je veux bien. Donne. Ouais, toi. Qu'est-ce que t'as? Ça a pas l'air d'aller. T'as pas dit un mot du trajet. Si, si, ça va. Tu sais, Reine, on se connaît pas beaucoup, mais s'il y a quelque chose qui te travaille, tu peux m'en parler. Parfois, c'est plus facile de se confier à ceux qu'on connaît pas beaucoup. Alors, si t'as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, René. Je suis très touchée. Au revoir. La brosse bien entre les doigts, comme ça c'est bien. Voilà. Ah, t'es là, ma Zoé. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous les maltraitez, ces pauvres bêtes? Mais on les maltraite pas, on les traite. Faut que le piétin. Le quoi? Le piétin, la maladie du pied du mouton, puis de la chèvre par la même occasion. Ça s'appelle aussi la dermatite. Et comment ils disent dans le livre? La interdigitée contagieuse. Contagieuse. Ouais, dis donc, pour un médecin, tu connais pas grand-chose, hein? Je suis pédiatre, imbécile. Je suis pas vétérinaire. La papate ici, la papate ici. La papate à tonton Jacques. Fais gaffe, Catherine, on dirait des schtroumpfs. Il y a de ça, oui. Bon, ben, tu sais quoi, ma puce, hein? Nous, on va aller goûter, et puis on va laisser Jacques et papa faire joujou. Faire joujou? On s'amuse. Bon, c'est la dernière, non? Oui, c'est la dernière. Pas appelé. Mais les surprises, c'est bien aussi. Bah oui, mais alors dis donc. Tiens, tu reconnais Zoé? Bonjour. T'as vu comment elle a grandi? Oh, comme tu es belle. Hé, les gars, vous avez vu ça? Qui est là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est rien, c'est le traitement pour mes chèvres. Alors... Avec Julien, on s'est lancé maintenant. On fait du fromage, on fait du miel, on fait des légumes, on fait des terrines, on fait toute une gamme de produits bio. Voilà. Et puis, hé, ça marche bien, hein? Hé, la crise, nous, on connaît pas. Tout le monde peut pas en dire autant. Ah, attendez. La pupus, on y va? Oui, oui, Robert, oui. Comment ça, ils veulent pas nous recevoir? Non, mais c'est dingue. Ah bah ça, j'aime mieux te dire qu'on va pas se laisser faire, hein. Ouais, d'accord. Non, mais c'est pas possible, ça. Tu sais, l'usine de notre village, là, elle a fermé, on a 46 personnes au chômage. Eh bien, la direction refuse de nous recevoir. Ah bon? Non, mais c'est dingue. La crise est partout, hein. Mais je sais. Bah, Reine, mais enfin, Reine, mais qu'est-ce que j'ai dit? Viens. Il y a que... Je suis ruinée. Comment ça, ruiné? Ruiné au sens strict du terme. J'ai plus rien. Enfin, t'as plus rien, t'as ta maison, je sais pas. Partie dans le naufrage. L'appartement de Sébastien aussi, même la galerie de Lucas et Nicolas, tout s'est envolé. La galerie de Nicolas et Lucas, mais comment c'est possible? Les murs appartenaient à Sébastien. Et la fondation? Christine et Sébastien s'en occupent.
Heureusement, nous avons une petite subvention gouvernementale. C'est ric-rac, mais ça permet de tenir pour le moment. Allez, allez, allez. Je suis pas inquiet pour toi. Je te connais, tu vas trouver une solution. Mais non, non, Jacques, il n'y a pas de solution miracle. Enfin, Reine, une fortune comme la tienne, ça peut pas s'évanouir comme ça. Mais enfin, t'as bien vu, aux États-Unis, les subprimes, Madoff, tout ça, c'est des montages financiers très sophistiqués, avec des trucs qui garantissent des machins, puis un grain de sable, tout s'effondre, et tu te retrouves à la rue. Enfin, écoute, d'abord, t'es pas à la rue, hein. T'es ici, chez toi, et tu restes le temps que tu veux. Jacques va te faire des bons petits plats, et moi, je vais m'occuper de toi, hein. Bah, je repasserai pour les câlins, parce que j'ai la couleur un peu contagieuse. Oui, s'il te plaît. Et Samaï? Oh, il est formidable, si tu le voyais. Il s'est complètement investi dans la fondation. Sur le plan scolaire, il est exceptionnel. En toute objectivité. Bon, c'est vrai, je ne suis pas très objective, peut-être, mais cet enfant, en ce moment, c'est ma seule source de satisfaction. Allez, ça va s'arranger, tu vois. Écoute, Reine, il va te parler de son chèvre, mais moi, entre nous, c'est celui-là que je préfère. Oui, il est plus doux. Alors, comment tu le trouves, mon petit chèvre? Délicieux. Les gens en raffolent. Et ma confiture de figues, elle est pas trop sucrée? Parfait. Ah, ça aussi, alors ça, les gens s'en foutent et ils en demandent. Non, mais arrête, Jacques, avec ton fromage et ta confiture de figues, franchement. Non, mais et c'est fou, hein? Il a l'impression qu'avec une bonne bouffe et un coup de blanc, tout s'arrange. Bah... C'est vrai que c'est pas remboursé par la sécu, mais ça marche. Non, sérieusement, Red, tu vas t'en sortir. Oui, regarde-moi. L'année dernière, ouais, j'avais pas le moral, je voyais tout en noir. Catherine avait trouvé sa place, moi je m'emmerdais. Et puis tout à coup, bah, je me suis lancé dans cette affaire du bio, là. Et puis je m'éclate. Pour ça, faut jamais perdre espoir. Moi, je te le dis, je te connais. Tu vas rebondir. Allô, oui. Non, 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 vous me dérangez pas, vous pensez à 9h du soir. Ouais. Oui, arrête. On en a parlé, reparlé de ça. Comment ça? Hein? Non, mais comment ça vous avez pris votre décision? Mais vous êtes un connard! Bah oui, vous êtes un connard! Et un connard de grande envergure encore! Connard! Allô? Raccrochez. Mais tu te rends compte, c'est ce qu'il me dit? Alors il trouve que notre gamme de produits est trop élitiste maintenant. Il trouve que ça correspond pas à la philosophie, comment qu'il a dit, de leur enseigne. Non mais tu te rends compte, philosophie? Philosophie dans la bouche de ces gens-là, mais c'est une obscénité. Mais attends, ils rompent les négociations comme ça, par téléphone? À 9h du soir, non mais c'est un sadique, sadique! T'inquiète pas, Jacques, je te connais, tu vas rebondir. Accroche-toi, mange un bout de fromage, ça va te requinquer. Butez cet enflure, je vais le buter, Tiens. Mais enfin, Reine, qu'est-ce que c'est que ce flingue? Oh, j'ai failli tuer mon banquier, puis au dernier moment, j'ai pas pu presser la détente. On n'est pas des tueurs, Jacques. Eux, oui. Jacques! Qu'est-ce que t'as lu le mail? J'ai pas lu le mail, mais je lis au téléphone, alors... Eh ben, je vais te le lire. Nous ne pouvons donner suite, car votre gamme de produits est trop personnalisée, hein, et ne correspond pas à notre philosophie qui consiste à faire la promotion de notre propre marque. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais rien, c'est des cons, pis c'est tout. Ah ouais? Mais si tu t'étais pas obstiné aussi à foutre ton putain de nom partout, hein? Jacques Beaumont sur les terrines, sur les fromages, sur le miel. On était à deux doigts, est-ce que tu me le colles sur le cul, ton nom? Des mois de travail foutu en l'air par ta mégalomanie, monsieur Jacques Beaumont. L'ingratitude. Au fait, t'oublies pas qu'on doit aller voir le fournisseur de champignons cet après-midi. Ah, écoute, vas-y tout seul, moi je suis à Auxerre cet après-midi. Oui, j'ai une réunion du syndicat des restaurateurs de la région. Ah bon? Ouais, je te cache pas que ça m'emmerde un peu, mais bon, je suis obligé d'y aller. Tu veux que je t'accompagne? Non, tu vas t'emmerder. C'est rien de plus barbant que ces réunions. Thank you.
En tout cas, nous, on a décidé de monter à Paris, au siège social. C'est la seule chose qui puisse faire avancer le dossier. Non, si on ne fait rien, beaucoup d'entre nous sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à foutre le feu à l'usine. Je comprends parfaitement, mais attention à ce qui pourrait être utilisé contre vous. On a voté. C'est irréversible. Il arrivera ce qu'il arrivera. Bon, bah, si monsieur le maire le permet, je vais accompagner la délégation du personnel à Paris. Mais on partira quand j'aurai obtenu un rendez-vous avec la direction générale de Smartex. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. À plus tard. Les empêcher de faire des conneries. Ben, je vais faire de mon mieux, écoute. Mais c'est effrayant, ces salauds, ils sont injoyables. Je laisse des messages, j'envoie des mails, ils ne répondent pas. Bonjour. Maman, je peux te voir un instant? Oui. Bon, ils te manquent, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils te trompent. Enfin, ça fait des semaines qu'on fait plus l'amour. Toi, quand papa te trompait. Ah non. Quand ton père me trompait, il avait tout le temps envie de me faire l'amour. D'ailleurs, quand il me sautait dessus 3 jours de suite, je me disais, il y a anguille. Je t'assure, il a changé. Il est distant. C'est évident, il me cache quelque chose. Ben, je te dis pas le contraire. Mais puisque tu me demandes mon avis, à ta place, je lui ferai surtout pas de scène. Moi, j'attendrai d'en savoir un peu plus. Et puis, va pas lui dire que tu l'as suivi et que tu l'as vu avec une fille. Hein? Motus. Tu l'aimes toujours, ton mari? Plus que jamais. Alors essaie de rétablir le contact avec lui tout doucement. Tu vois, l'idéal dans ce genre de situation, c'est de la prudence et de la finesse. Bon, enfin, je me souviens, quand papa te trompait, on t'entend dégueuler jusqu'à l'autre bout de la maison. Oui. Oui, mais vois-tu, avec le recul, je pense pas que ce soit ce que j'ai fait de mieux. Hein? Comme dirait je sais plus qui, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Bon, ben, je vais prendre beaucoup sur moi et puis je vais essayer ta méthode. Adieu, veaux, vaches et cochons. On avait plein de projets, puis d'un seul coup... Oh, Perrette et le pontonnais, ça va. Mais et pourquoi vous essayez pas de trouver une autre filière de distribution? Oh non, moi j'ai plus la moelle. J'ai envie de tout laisser tomber, c'est bien simple. Bah, pour faire quoi? Bah, rien. Après tout, je suis à la retraite, moi j'ai le droit. Mais toi, Julien, t'es jeune. T'as l'avenir devant toi. L'avenir? Tu vois, moi, je suis un gars qui a l'impression de jamais avoir eu d'avenir. La seule fois de ma vie où j'étais heureux, enfin, professionnellement parlant, j'entends, c'est la fois où on avait le restaurant tous ensemble avec Richard, Fred, Noureddine, Jérémy. La fine équipe, quoi. Mais faut oublier le passé, se tourner vers l'avenir. Ah ouais? C'est quoi ton avenir à toi? On va boire un café. Il est un petit peu déprimant en ce moment. Oh mais... Bah, qu'est-ce que vous faites là dans le noir? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, justement. Rien. Vous voulez pas qu'on aille dîner chez Fred et Noureddine, hein? Ça nous ferait une petite sortie. Oh non, j'ai pas envie de bouger. D'ailleurs, je vais vous laisser, je vais aller me reposer un peu dans ma chambre. Écoute, Jacques. Que Rennes soit déprimée. Ça peut se comprendre quand même. Elle a tout perdu, elle tout. Mais toi, t'es pas dans le même cas de figure. Quand même. Bon, ton projet a foiré, mais... Et tu peux toujours faire les marchés. Non, j'ai plus la force, là. Je me vois pas à traîner sur les marchés avec mes poules, mes œufs, mes terrines. Non, c'est ridicule. Non. Mais Julien, il compte sur toi, Julien. Julien, il est jeune, il peut se démerder aussi. Catherine, tu ne te rends pas compte du coup que j'ai pris sur la tête? Oh, Jacques, écoute, ça suffit. Tu as tout pour être heureux. On ne manque de rien.
est-ce que tu veux bien penser deux secondes à la situation des travailleurs dont l'usine vient de fermer? Eux, ils ont vraiment tout perdu. Eux, ils sont vraiment dans la merde. Et eux, ils sont pas là à traîner les pieds, ils se battent. C'est vrai qu'il y a toujours plus malheureux que soi, c'est vrai. Enfin, quand même. Et moi, alors? Et moi, je compte pour rien, moi. Ma présence ne te rend pas heureux, ne te donne aucune satisfaction. Oh, mais si, évidemment. Qu'est-ce que tu vas chercher, bien sûr? Non, mais je suis très heureux avec toi. Eh ben alors, c'est positif, ça. Bien sûr. Bon, alors, je t'interdis de te plaindre. Parce qu'avec toute la détresse que je vois autour de moi, crois-moi, on a de la chance. Ouais, il y en a des malheureux, ouais. Bah, tu vois, j'ai un petit creux, tout à coup. Oh, bah, je préfère ça, hein. Jérémy, ouais. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe avec Noureddine? Je sais pas, il se passe quelque chose. Arrête, me dis pas que t'as rien remarqué. Si, j'ai remarqué qu'il était chiant, agressif, ronchon, lunatique, à routine, quoi. Bon, t'arrêtes de prendre sa défense. Je sais que tu sais quelque chose. Mais je te jure que je sais rien, parce que me taper le service tout seul comme ce soir, ça m'amuse pas, hein. Ouais, de toute façon, entre mecs, hein, vous êtes toujours en train de vous serrer les coudes. Tous plus faux culs les uns que les autres. Mais Fred, c'est pas la peine de m'insulter, je ne sais rien. C'est dégueulasse. T'es mon frère, tu vois que je suis dans la merde et tu refuses de m'aider. Mais arrête ta parano, je refuse pas de t'aider. Je sais rien. Combien de fois faut que je te le dise? Tu me déçois. Ce que tu fais, c'est moche. 200. Relance, 400. Passe. Check. 400. Tapis payé. Messieurs, vos jeux, s'il vous plaît. Foule au roi par les dames. Foule aux as par les dames. Foule aux as. 3000. Messieurs. Comment ça s'est passé, ta réunion? Ça va, écoute, rien de nouveau. Hein. C'est la crise, la baisse de la TVA n'a pas eu l'effet escompté. Blabla habituel, quoi. Bah, nous, on a cartonné au restaurant. Ah oui? C'est vrai, on n'a pas à se plaindre. T'as l'air soucieux. Y a quelque chose qui va pas? Non. Je suis fatigué, c'est tout. On va se coucher. Si t'as des problèmes, tu peux m'en parler. Je dors, Fred. Non, tu dors pas. Quand tu dors, tu respires pas comme ça. Tu peux pas mentir à une femme qui t'aime. C'est vrai, je dormais pas. Qu'est-ce que t'as en ce moment? Jérémy me dit que t'es bizarre en cuisine, que t'es complètement ailleurs. Même René m'en a parlé. Tu t'ennuies avec moi? Mais non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est le boulot, le stress, les responsabilités. Je me fais du souci. Là, ce week-end, quand elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle t'avait trouvé triste. C'est vrai que depuis qu'elle est pensionnaire au CER, elle est plus comme avant. Elle rentre le week-end, elle s'enferme dans sa chambre, elle va voir ses copains. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'intéresse plus du tout. C'est normal. Et on était pareil à son âge. Ah oui. Tu sais, peut-être qu'on aurait fait un deuxième enfant. Et si on commençait par ce qu'elle est née?
Salut, maman. Salut, ma poule. Bon, je crois que c'est sûr, il me trompe pas. Ah bon? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il est rentré super tard hier, je me suis pas énervée, on a parlé calmement. Et là, il m'a fait l'amour comme un dieu. Ça faisait des semaines que ça nous était pas arrivé. Oh merde, exactement comme ton père. Qu'est-ce qui est exactement comme moi? Eh ben, elle était... Frédéric me disait que Nouridine grignote la nuit. Ouais. Et alors? Moi, je grignote pas la nuit, moi. Ah si, tu grignotes, t'as souvent grignoté. Quand bien même, je vois pas où est le problème. Ton mari n'est pas obèse, moi non plus, que je sache. Ouais, bon, je vous laisse. Elle est juste venue nous voir à 7 heures du matin pour nous dire que son mari grignote. Elle est bizarre. Conversation entre femmes. Ah, dis donc, toi, par contre, t'as ronflé cette nuit. J'ai ronflé. Oui, et c'est chez toi signe de grande angoisse. Qu'est-ce que tu veux quand on n'a plus d'avenir? La moindre des choses, c'est d'être un petit peu angoissé. Oh non, non, Jacques, écoute. C'est un jour nouveau. Regarde, regarde comme la nature est belle, hein? Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'installer dans le jardin. Je vais préparer du café, des tartines et te les amener. Finalement, ça a du bon. Elle est prise. Allez, vas-y. Ah, alors, Reine, la nuit, ça s'est bien passé? Bouf. J'aimerais bien un café avec des tartines. Eh ben, tiens, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'installer dans le jardin avec Jacques. Je m'occupe de tout. J'espère que je vous ai pas trop dérangé cette nuit. Je suis descendue au moins 3 fois pour grignoter. Ah, bon? Toi aussi? Pourquoi? Ah, non, pour rien. Une question. Quand tu es angoissée, toi, tu ronfles la nuit? Oh oui. Même très fort parfois. Pourquoi vous m'avez entendu? Non, c'est pas ça. C'est juste que... C'est curieux. Parfois, tout le monde ressemble un petit peu à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. C'est pas grave. Tu m'emmerdes, Nouridine, tu m'emmerdes. Quand t'as eu besoin de moi, t'étais bien content de me trouver. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi. Et tu te défiles, c'est dégueulasse. Écoute, Reine, il faut que tu comprennes. Hein? En ce moment, la situation, elle est pas simple pour moi. Parce que tu crois qu'elle est simple pour moi? C'est même pas pour moi, cet argent, c'est pour la Fondation. Tu me déçois terriblement, Nouridine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des gens qu'on croit connaître. Et puis on se rend compte qu'on s'est trompé. On a cru les connaître. Mais au fond, on ne les connaît pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment, non. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vois, il y a des gens qui réapparaissent, comme ça, qui ont des problèmes. Alors je sais qu'elle a des problèmes. Mais le fait qu'elle ait des problèmes, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas de problème. Chacun a le droit d'avoir ses propres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Pas très bien, non. Bon, c'est pas grave, je t'expliquerai. Tu voulais quelque chose? Oui. Je me disais que ce serait bien qu'on parle un petit peu tous les deux. Assieds-toi, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? À propos de problème, tu sais ce qui m'arrive? Oui, Fred m'a mis au courant, ton projet est tombé à l'eau. Alors je me disais, enfin plutôt c'est Julien qui me disait que les plus belles années de sa vie, c'était quand on travaillait tous ensemble au restaurant. Alors je me disais que je pourrais peut-être revenir travailler ici avec toi. Non, je suis désolé Jacques, mais ça c'est pas possible, non. Qu'est-ce qui est pas possible? Non, je disais à ton mari que je reprendrais bien un petit peu le collier et que je retravaillerais bien avec vous, à vos côtés, avec ma fille, avec mon fils, histoire de recréer une bonne petite affaire de famille. Bah ça tombe bien. Toi qui te plains toujours d'avoir trop de boulot. Enfin, Jacques, t'as l'air complètement passionné par ton affaire de bio, là. Non, tu devrais continuer, je sais pas moi, des marchés d'autres grandes surfaces, d'autres supermarchés. Non, je l'ai fait, tout ça, j'en ai un ras-le-bol. Non, je veux revenir à un vrai métier. Enfin, si tu es d'accord pour que je t'aide. Tu dis toujours qu'il peut pas y avoir 2 chefs dans la même cuisine. Ah mais il y en aura qu'un. Ah non, là il y en aura qu'un. Je me ferai tout petit. Excuse-moi, mais petit comment? Mais tout petit, tout petit. Non, non, tout c'est petit, impossible. Non, non, toi petit, c'est impossible. Non, 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 non. Nouridine, j'ai plus rien à prouver, moi. Eh ben c'est hors de question. Enfin merde! Tu pourrais essayer quand même! Mais essayer quoi? Il va revenir au restaurant, on va se marcher sur les pieds, ça va être un enfer comme avant. Un enfer? Ah, parce que c'était un enfer avant, bah, je t'en remercie! Attends, je te rappelle, Jacques, que si j'ai voulu voler de mes propres ailes, c'est pas pour rien, hein? Tu es expansif! Très bien, bien, j'ai compris, je suis trop expansif! Bien. De toute façon, dans la détresse, on est toujours seul. Puis c'était pas une bonne idée, c'était une idée de Julien. Bon, eh ben, je ne vais pas t'importuner plus longtemps.
Bonne journée. Papa, je suis désolée que ça se passe comme ça. Je le savais, j'aurais pas dû demander, j'ai eu tort. Mais non, t'as pas eu tort. Et puis s'il en est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à toi, non? Il faut pas trop lui en vouloir, il est un peu perdu en ce moment. Oh, je peux le comprendre, ça. Je sais ce que c'est. Allez, ça va aller. Hein? Puis on te connaît. Tu vas rebondir. Ouais. Rebondir? Je vais me balancer du haut du clocher, tiens. Pour voir si je rebondis. Arrête, t'es pas drôle. T'es le meilleur. Ben quoi, je lui ai dit la vérité. C'est vrai qu'avec lui, la cuisine, c'est un vrai cauchemar. Et ça, moi, personnellement, j'en veux plus. Pauvre con. Et oh, si t'es pas content, tu peux te tirer toi aussi, hein. Il faudrait pas me le dire deux fois. Ah, ça suffit tous les deux. Et toi, tu sais très bien que si Jérémy s'en va, c'est une catastrophe. Putain, mais pour mon père, tu pourrais faire un effort, il est complètement déprimé en ce moment. Et ben moi aussi, je suis complètement déprimé en ce moment. Et ça, ça a l'air d'intéresser personne. Qu'est-ce qui vous fait penser que le patron de Smartex va vous recevoir? Oh, ben le comité d'entreprise est parti déjà ce matin, et crois-moi, ils vont nous entendre. Hein. Toi, rien ne t'arrête, alors que moi, je suis au point mort. Oh, écoute, ce petit voyage à Paris va te faire un bien fou. Hein? T'es un rat des villes, toi. Et puis, tu vas voir toute la famille. Ils sont fous de joie que tu m'accompagnes. Oh, ça me fait du bien qu'on a envie de me voir. Oh, tu veux pas recommencer? Allez, viens, viens. Oh, Barquette qui est là. Salut, les jeunes. Tu t'accompagnes Patricia au train? Non, Patricia et moi partons à Paris ensemble. T'aurais pu me prévenir. Et pourquoi? On n'est pas mariés, non? Mais qui c'est qui va s'occuper des bêtes? Monsieur Delauneux s'en charge, hein? Et puis après tout, Jacques, toi aussi t'aurais pu me prévenir que tu partais à Paris. Mais moi, ça s'est décidé à la dernière minute. Eh ben moi aussi, voilà. Oh, ça suffit, vous deux. Oh, je vous jure, il y a des moments, hein, je me dis que Patricia a de la chance de ne pas entendre toutes vos conneries. Oh, tiens, plein de train. On se met à celui-là, hein, ça va? Allez, 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 allez. Ah, puis alors, vous engueulez pas, hein? Et vous n'avez même pas essayé de racheter la galerie. Mais ils en voulaient une fortune. Qu'est-ce que tu crois? Ah. Coucou. Bonjour. Oula. Ah, Nicolas. Non, ça va, je vais. Oh. D'où? Quel bordel. On était obligés de rapatrier tous les tableaux ici. Et alors, comment vous faites pour les clients? Les habitués viennent ici, mais ça peut pas durer comme ça. Ah non, c'est une catastrophe. Beaucoup de nos peintres nous ont déjà quittés, tu penses? La ruine de Rennes a entraîné celle de Sébastien, puis la nôtre dans son sillage. C'est un vrai naufrage. Et toi encore, tu peins, t'as du succès, ça va. Mais moi, j'ai tout perdu, j'ai plus rien, là. C'est vrai que je peins, c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, mais ça m'empêche pas de penser à tes problèmes. Parce que je t'aime. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive pas à être pessimiste. Je suis sûr qu'on va tous s'en sortir. Et tu as raison, vous allez rebondir. C'est un mot très à la mode en ce moment dans la famille. Écoute ton fils, il faut arrêter le pessimisme. Ça me fait plaisir que vous soyez venu nous voir. Vous vous faites rare. Ah, tu sais, je suis un peu débordée avec ma mairie, moi. C'est vraiment la seule femme au monde qui arrive à être débordée dans un patelin où il se passe rien. Détrompe-toi, mon petit bonhomme, il se passe beaucoup de choses dans mon village. Et toi, papa, ton affaire de produits bio? Oh, moi, je ne suis pas débordée, moi. J'ai carrément coulé. Ah ben, tu vas nous raconter tout ça. Non. Bon, alors écoutez, je vais filer, moi, parce que dans mon patelin où il se passe rien, il y a eu un événement un peu dramatique, et j'ai rendez-vous avec des délégués du personnel, tout ça. Enfin, il va vous expliquer, hein, je vous rejoins tout à l'heure. Bon, bah, si j'ai bien compris, toi non plus, c'est pas la grande forme.
Non. Pour faire une comparaison picturale, je suis passé du déjeuner sur l'herbe au radeau de la Méduse. Et toi, ma grande? Alors, raconte-moi, comment ça va, ton boulot, ta vie, tout ça? Impeccable. Sauf le boulot en ce moment, c'est too much. D'ailleurs, je suis en retard, il faut que je file. Eh oui. C'est comme ça, la vie. Parfois, il y en a qu'on trop, mais trop pas assez. Bonjour ma fille. Ça va maman? Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous aviez de si important à me dire? Tu avais l'air bien mystérieuse au téléphone. Comment te dire? Non mais c'est simple. Marie et moi, on s'aime. Attendez, je rêve là ou ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous formez un couple? Exactement. Mais tu sais, ça s'est fait comme ça, maman. Enfin, faut pas nous en vouloir. Mais pourquoi je vous en voudrais? S'aimer, après tout, est-ce que c'est pas la plus belle chose du monde? Bah, on avait peur que tu le prennes mal. C'est incroyable. Même ma propre fille ne me connaît pas. Est-ce que j'ai l'air si coincée que ça? Écoute, maman, faut reconnaître que t'as pas toujours été aussi tolérante. Bah, j'ai changé. J'ai le droit de changer, merde! Mais te fâche pas, maman! Mais c'est fou, quoi! Mais comment les gens me voient, là, comme un personnage qui traverse la vie avec des œillères, sans rien comprendre? J'en ai vraiment ras-le-bol. Bon, bah, en tous les cas, on est très contents que tu prennes comme ça. Bah quoi? Marie et toi, vous vous aimez? Vous couchez ensemble? Mais moi, je ne vois aucun inconvénient. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Au fait, toute la famille est au courant? Non? Enfin, à part Manon et Jean-Philippe. On voulait que tu sois la première. Je suis tellement contente. Il faudrait qu'on se fasse une petite fête un soir. À ce sujet, maman, avec Claire, on a trouvé un appartement qui nous plaît beaucoup. Dans une rue calme, plein soleil. Et puis, c'est à peine plus cher que le nôtre. C'est bien. Oui, on est très contente. Mais on aurait besoin de tes trois dernières fiches de paye. Pourquoi faire? Tu sais bien, pour servir de caution. C'était ça, ce rendez-vous? C'était uniquement parce que vous avez besoin de moi? Mais je suis pas une banque, moi, figurez-vous. Mais te fâche pas, on ne demande pas d'argent. Mais je supporte pas cette société, c'est l'Inquisition. Et j'ai aucune envie d'étaler ma vie privée en donnant mes fiches de paye à n'importe qui. Et pourtant, tu l'as fait la dernière fois. Bah, j'ai eu tort. J'aurais pas dû. C'est une question de principe. Et c'est très important, les principes. Très important. Mais... Connard ! Mais abruti, t'as la merde dans les yeux ou quoi ? Pas possible, ça ! Elle a la pêche, hein. Ah ouais. Apparemment, c'est messieurs, dames au rendez-vous. Ah. Qui êtes-vous? Nous sommes la délégation du personnel de votre usine de Noyères. Ah, très bien. Merci Isabelle, mon petit. Vous pouvez nous laisser, je m'en occupe. Bien, mesdames, messieurs, je vous en prie. Prenez les sièges, installez-vous. Non! Non? Beaumont, je suis avec les délégués du personnel de l'usine Smartex. Ils sont déjà dans le bureau de monsieur le directeur. Ah bon? Bon, ben je les rejoins. Qui c'est? C'est Catherine! Qu'est-ce que vous faites? Je suis Catherine Beaumont. Ça fait des semaines que j'essaie de vous joindre. Alors c'est à vous que je dois ce coup de force? Non. Non, mais je trouve ça assez réjouissant. Chemise made in France. Chaussettes en fil d'Écosse. Costume made in Italy. Chaussures made in England, le top.
la cravate. Oh, bah ça, c'est pas de chez nous, hein. Eh ben, il reste plus que le caleçon. Ah non, pas le caleçon. Allez, un patron à poil, ça change, d'habitude, c'est nous. Le caleçon. Je tempère. Vous ne me l'abîmez pas, j'y tiens beaucoup. Sois naturel. Made in China. J'en étais sûre. On délocalise par en dessous, c'est ça qu'on vous reproche. Madame Beaumont, je vous demande de faire cesser cette situation parfaitement ridicule. C'est vous qui l'avez créée, cette situation. Vous avez trompé tout le monde. Vous avez touché les subventions de la région, les aides du Conseil général, et vous délocalisez quand même. En Afrique du Nord, vous êtes un escroc. Vous ne comprenez rien à la logique d'une entreprise. Puis vous ne connaissez pas mes actionnaires. Non. Est-ce que vous connaissez vos employés? Ah oui, nous avons fait un album avec tous les portraits des familles que vous allez mettre au chômage. On va tous vous les présenter, hein? Les femmes, les maris, les enfants. Et même les grands-parents. C'est qui ça? Ça va, c'est vous. Eh ben non, ça c'est moi, à la Saint-Sylvestre. C'est Jean-Jacques. Et là, c'est moi, avec mon papa. Ah, voilà. Comment il s'appelle? Ça, ben c'est son papa. Non, la demoiselle. Elle est là. Mais quoi? Mais elle est là, j'ai pas à l'appeler. Geneviève. Geneviève. Ah, j'allais le dire. C'est pas compliqué. Oui, mais j'allais le dire. Hein, j'allais le dire, Geneviève. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, tous les deux? Noureddine a dit non, mais je suis sûr qu'il va revenir sur sa décision. Mais pas du tout. J'ai une tête de mule, tu le connais. Il est orgueilleux comme personne. Tu peux parler, toi. C'est à cause de ton entêtement à toujours vouloir te mettre en avant que tout le monde nous dit non. Tu la vois, celle-là? Ça va tomber, hein. Ça va tomber, hein. Ah, c'est Patricia. Je suis invité par mon boss, j'aimerais que tu viennes avec moi, Bise. Eh ben, ça, c'est une très bonne idée. Tiens, va la rejoindre, ça nous fera des vacances. Allez, 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 allez. Allez. Il y a Manon et Jean-Philippe qui viennent. Tu restes pas dîner? Non, je reste pas dîner parce qu'il y en a un ici qui me... Mais qu'est-ce qu'il prend? Il lui prend que parfois, face à l'adversité, face à l'échec, il y en a qui ont besoin d'un bouc émissaire. Ouais. C'est peut-être parce que vous élevez des chèvres. Tu sais que t'es drôle, toi, quand tu veux. Bon, cet après-midi, à l'atelier, j'ai eu une idée formidable. Ah bon? On va aller s'installer en province avec papa et maman. Hein? Non, mais ça va pas, la tête. Ouais, je me vois... Toi, tu peins toute la journée. Moi, pendant ce temps, je fais quoi? Femme au foyer? Mais tu peux ouvrir une galerie? La vie en province, c'est l'avenir. Hein, papa, les balades en forêt, tout ça? Nicolas, les balades en forêt, mais enfin, la forêt, c'est bien si t'es un arbre, c'est bien si t'es un champignon, c'est bien si t'es un gland. Sinon, en forêt, on s'emmerde. Moi, je m'emmerde, là-bas. Ah, ça, ta mère, elle s'éclate, mais moi, je m'emmerde. Faites pas ça, mes enfants, ah non. T'inquiète pas, y a pas de risque. Merci, papa. Vous refusez encore d'annuler la fermeture de l'usine? Mais puisque je vous dis que ça ne dépend pas de moi, vous pouvez le comprendre, ça ou pas? Il refuse. Bon, alors on reprend. Qui est Kevin? Mais c'est ce jeune homme, Kevin, c'est ce jeune homme, je le connais très bien. Il était à la maintenance depuis 3 ans à l'usine, voilà, et il est célibataire. Mais c'est pas tout. Si. Oh, c'est qu'il a mal appris sa leçon. Non! Attendez. Non, il a son père à charge, qui est légèrement handicapé à la suite d'un petit accident du travail survenu dans les années 77. Ah, ben voilà, quand il veut. Nora, ça vous dit quoi? Nora. Alors, Nora, elle est à la broderie. Elle est mariée, divorcée, 2 enfants. Prénom des enfants? Antoine et Martin. Faux, c'est Victor, le plus jeune. Bon, on recommence depuis le début. Ah non, j'en peux plus. Arrêtez de me torturer. J'en peux plus, mais arrêtez, ça rime à quoi, tout ça? C'est pour vous apprendre que tous ces gens que vous allez mettre au chômage, ce sont des familles dans la détresse. Ce sont des noms, ce sont des visages. Annulez la fermeture de l'usine. Vous comprenez ça? Je ne peux pas. Bon, allez, on se concentre là. Micheline. Pourquoi vous m'appelez Micheline? Mais pas vous, imbécile, elle. Ça vous dit quelque chose, Micheline? Mais je m'en fous de Micheline. Vous m'entendez, je m'en fous de Micheline. Ça vous trompe de quotidien, Micheline. Alors, ouvrez, on passe la porte. Ça doit être crevant comme boulot urgentiste. Mmh. Bah, c'est sûr que question horaire, faut pas aimer la régularité. Hein. Et puis question pognon, c'est pas la gloire. Moi, je suis fier de ma petite sœur. Question pognon, bah, y a Jean-Philippe qui compense. Voilà. Oh, excusez-moi, je suis un peu en retard, mais je sors à peine du bloc. Mmh. Tu parles d'une journée, j'ai fait 6 hanches et 3 genoux. Ouais, charcuter des gens toute la journée, faut vraiment avoir le moral. Hein. Ah, bah, y a pas le choix. Ça va. Oui, chérie.
Non, non, mais tu plaisantes. J'arrive, j'arrive. Catherine s'est fait remarquer par les flics. Quoi ? Quoi ? Vous nous attendez pas, il y en a sûrement pour un moment. Une chance que le directeur ait pas porté plainte. Bon, enfin, il a pas porté plainte parce que ça lui faisait une mauvaise publicité. Non, mais est-ce que tu peux être naïf, toi, de temps en temps ? Bon, je crois que ce coup-là, c'est foutu. Mais non. Ouais, qu'on va annoncer ça aux copains. Non, 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 faut pas se décourager, on va trouver un autre moyen de se battre. Allez, allez, au Laker. Hein ? Merci. 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 À bientôt. Oh, elles sont délicieuses. Ah ouais. Ça, c'est vrai que ça manque un peu à Noyère. Ah bah, tu m'étonnes. C'est pas que ça lui manque à Noyère, ça. Ah non, hein. Tu changes de refrain, s'il te plaît, hein. Oh, dis donc, vous avez prévenu Audrey et Marie ? Je leur ai laissé un message. Ah, et à ce propos, on a une nouvelle à vous annoncer. Oh, oh. Mauvaise ou bonne ? Parce que si elle est mauvaise, vous attendez la fin du repas. Non, non, très bonne, et je croyais même que vous allez être très content. Voilà, Marie vit plus avec nous. Elle a sa vie de son côté. Oh, ça, c'est bien. Ah non, parce que votre ménage à trois, nous, bon, on avait commencé à s'y habituer, mais alors Audrey, hein, ça passait pas du tout. Hein. On est tous soulagés. Ah oui. Coucou. Alors, ils vous ont dit ? Oui. Oui, 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 c'est une très bonne nouvelle. C'est pas si fréquent, on parlait d'un petit coup. C'est vrai que je suis amoureuse comme une folle. Wow. Je l'ai su tout de suite, elle est exceptionnelle. Elle ? Oui, elle. C'est une fille. Ça vous choque ? Non, mais oh, non, penses-tu, nous, alors, on est, hein, large d'esprit. Et tu l'as dit à Audrey ? Justement, c'est bizarre, parce que quand je lui ai annoncé, elle l'a très, très bien pris. Ah oui, ça, c'est bizarre. J'ai pas énervé du tout. Non. Et elle est pas malade en ce moment ? Elle en a juste marre que toute la famille la voit comme quelqu'un de coincé. Ouais, ah, tiens, voilà Claire. Bonjour, je vous présente Claire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jacques. Bonjour, Catherine. On m'a tellement parlé de vous. Ah, bah, je suis contente de connaître un peu toute la famille. Ah, voilà Audrey. C'est sympa d'être là tous ensemble. Oui. Tu peux mettre ça derrière toi, s'il te plaît. C'est quoi ça ? Ça, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon ici ? Des huîtres. Très. Et vous mangez pas ? Si, oh là là, si, si, si. Salut, Reine. Salut, salut. Alors, comment ça s'est passé à Paris avec le directeur ? Franchement, on a fait chou blanc. C'est pas grave. Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Ce matin, très tôt, je fais un tour à vélo. En passant devant l'usine, je vois la banderole et là, j'ai eu l'idée. Quelle idée ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une SCOP ? Société coopérative et participative. Ça vous dit quelque chose ? Cette usine, au fond, est rentable. Bien gérée, elle pourrait tout à fait continuer à exister. Le personnel a un vrai savoir-faire. Moi, j'ai quelques compétences en gestion et en matière financière. Nous pourrions créer une coopérative et remettre l'usine en marche. L'expérience a déjà été tentée plusieurs fois, avec succès. Depuis ce matin, je réfléchis au dossier et je crois que c'est tout à fait jouable. Non mais attends, attends, parce qu'en plus, une coopérative comme tu l'as décrit, elle n'a pas besoin de faire les super profits exigés par un groupe. T'as tout compris. Maintenant, il me faut tous les éléments pour créer un dossier sérieux. Ben alors, on va aller voir Jean-Jacques, le comptable. Et puis, dans la foulée, on organise une réunion avec les représentants du personnel. Oh, oh, oh. Tu crois que ça peut marcher ? Ça va marcher. Moi aussi, j'en ai besoin. Oh, ben on y va, tiens. Oh là 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 là. Non, mais allons, ça. Tu sais que t'es génial, toi. Hein. T'as ça dans le sang. Hein. Parce que ça te crée comme ça. Tu vois une bande prendre les pattes. Qu'est-ce qu'il a fait ? En tout cas, ça fait chier. À chaque fois, je suis jamais au courant. Hey, tu sais, Jérémy, je voulais dire que je suis désolé pour ce que je t'ai dit l'autre fois.
Je sais que sans toi, je pourrais pas y arriver. Je m'en veux pas. Et tu sais, j'ai réfléchi. On pourrait se développer en prenant le local d'à côté. Il est alloué. On pourrait faire un truc plus bistrot, tu vois. Je te vois venir, toi. Quoi? Salut, Jérémy. Salut. Là, faut que je te parle. Tout de suite, là? Ouais, maintenant. Jérémy. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'étais avec le comptable et qu'on a regardé les bilans. Il y a quelques mois de ça, il y avait un trou de 40 000 euros dans la trésor comblé par un chèque de Rennes. C'est pas à peine de nier, j'ai vérifié. T'as une explication? C'est mon père. Il a eu des problèmes d'argent et j'ai été obligé de le renflouer. Mais enfin, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais parce que j'ai pas osé. Il devait me rembourser, il a pas pu. Écoute, je t'en ai pas parlé parce que j'ai eu honte. Voilà. T'as eu honte? Oui, j'ai eu honte. Mais enfin, merde, je suis ta femme! Je croyais que tu me disais tout! J'ai été con. Ouais, t'as été con. J'ai plus confiance en toi. Et moi, j'ai besoin d'avoir confiance en l'homme que j'aime et qui partage ma vie. Et d'ailleurs, c'était qui cette rousse à Auxerre? Hein? Ben oui, je t'ai suivi. Mais cette fille, c'est pas du tout ce que tu crois. Ça va avec les histoires de mon père. Il s'est mis dans une situation épouvantable. Écoute, Fred, je peux rien te dire maintenant, mais je te promets que quand tout sera terminé, je te dirai toute la vérité. Mais tu te fous de mais moi? Mais pas du tout! Il se passe rien entre cette fille et moi. Et je sais qu'au fond de toi-même, tu le sais. J'aime que toi, Fred. Ce que j'ai fait, c'est pour mon père. Ne me touche pas. Il faut que tu me fasses confiance. Eh bien, fais en sorte que j'aie pas à le regretter. C'est notre spécialité. La clé de voir très chic pour les soirées blanches. Ah, c'est ça qui me... Voilà, va falloir... Ouais, 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 c'est sûr. Espoir, on commence à y croire. Vous êtes des sacrées bagarreuses, les filles. Oui, mais ça ne nous empêche pas d'être de sacrées amoureuses. Allez, 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 Viquette. Oh, t'es sûr que j'avais raison de les vendre? Oui, certain. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir tourner la page et puis se lancer sans peur dans l'inconnu. Regarde, Ren, c'est ce qu'elle a fait. Bah. Si tu le sens, t'as peut-être raison. Hein? Bon, allez, on file parce qu'on a rendez-vous avec le conseil régional, le conseil général, les banques. Et puis, on ne nous attend pas ce soir parce qu'on dîne avec le sénateur. Oh, les mondaines.
sais comme j'en avais marre de traire ces bestioles. Et tu vois, le fait de les voir partir, là, ça... C'est comme une petite boule. Tu vas pas me croire, mais moi aussi. Jacques, quand tu disais savoir tourner la page, se jeter sans peur vers l'inconnu, t'avais une idée en particulier? Bah non. L'inconnu, par définition, on sait pas ce que c'est. Mon cher Julien, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un bon petit coup de peau. Salut Julien. Ça va? Salut. Salut Jacques. Tu m'offres un café? Ouais. Allez. Excuse-moi, je peux te parler 5 minutes en tête à tête? Ok. Ça t'ennuie pas? Bon non, moi j'ai les poules à nourrir, j'ai les œufs à ramasser, j'ai les clapiers à nettoyer, puis il y avait les chèvres, mais bon, les chèvres, on les a plus. Alors comme on a plus les chèvres, bah, ça me fait un peu plus de temps pour moi. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour l'autre jour. Ah, t'as oublié. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de problèmes, tu vois, du coup, ça me rend un petit peu nerveux. Ouais, ça, ouais. C'est justement de ces problèmes dont je vais te parler. Il y a quelques mois, mon père a eu des petits soucis financiers, alors il m'a demandé de l'aider, pour ce faire, moi, j'ai emprunté de l'argent à Rennes. Bon, à l'époque, c'était une broutille, hein, pour elle. Une broutille de combien? 40 000 euros. Ah, bah, quand même. Comme en ce moment, Rennes est un petit peu dans la panade, elle me réclame son argent. Mais moi, je peux pas lui rendre. Bah, du coup, je me suis dit que... Peut-être que toi, tu pourrais me dépanner, tu vois. De la totalité de la broutille? Un petit peu plus. Parce qu'en fait, entre-temps, mon père, il a eu d'autres soucis financiers. Je croyais que sa pharmacie marchait très bien. Oui. Que je vais dire la vérité. La solitude, tout ça, il s'est mis à jouer. Quoi? Bah, tout. Poker, roulette, blackjack, baccarat, enfin. Mais il a beaucoup perdu, mais là, il a tout arrêté. T'es sûr? Ah, bah, absolument, il a joué sur ma tête, donc, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bien sûr, j'ai quelques économies, bien sûr, mais. Comme tu le sais, je suis à un tournant de ma vie. Je vais peut-être être obligé de me lancer dans quelque chose, être amené à investir, alors. Oh, je suis embêté, je suis obligé de te dire non. À moins que... Attends, il me vient une idée, bien sûr. Si j'étais sûr de mon avenir, alors là, ça changerait la donne. Ouais, mais enfin, pour tes projets d'avenir, je vois pas en quoi je peux t'aider, moi. Supposons, je dis bien supposons, ouais. Que Julien et moi... On revienne travailler avec toi dans ton restaurant. Non. Ça réglera le problème. Je pourrais te prêter cet argent, et puis on pourrait même envisager de s'agrandir. Ce serait pour moi comme un investissement à long terme. Mais Jacques, c'est carrément du chantage, ça. Non, si tu le prends comme ça, n'en parlons plus. Mais comment tu veux que je le prenne? Mais comme un service mutuel qu'on se rend l'un à l'autre. Et puis aussi comme la promesse de sacrée partie de rigolade. Comme avant. Oh, Noureddin. Hein? Allez. D'accord. Mais à une condition. Oui. C'est moi le boss. Personne d'autre. Noureddin, à mon âge, je n'aspire qu'à m'effacer, à me rendre utile. Mmh. Ah. Marché conclu? Marché conclu. Ah ben, c'est ça, Julien, il va être fou de joie, il en rêvait. Tu sais, on va garder la basse-cour, le potager, comme ça. Sur tes menus, tu pourras marquer « Produit de chez Chabon ». Jacques. « Produit de la maison ». C'est bien aussi. Bon, il y a 2 semaines, à la dernière assemblée générale, nous avions évoqué la possibilité, pour sauver l'usine, de créer une SCOP. Rennes va vous résumer la situation. Avec l'ensemble des délégués du personnel, nous avons rencontré les différentes instances régionales qui ont accueilli très favorablement notre initiative, puisque les subventions qui avaient été attribuées au groupe Smartex vont nous être totalement restituées. Alors, Jean-Jacques, notre comptable, et moi, nous avons fait le dernier bilan qui dégage un actif assez conséquent. De ce fait, 2 banques ont déjà donné leur accord pour nous accompagner dans cette aventure. Alors, le dossier que vous avez toutes et tous entre les mains a été étudié dans le détail par le délégué régional des SCOP et il est viable.
Comme vous le voyez, j'assurerai la direction générale. Geneviève, Kevin, Marguerite, Nora et Colette seront au comité de surveillance et Jean-Jacques sera directeur général adjoint, mais bien sûr, au sein de la SCOP, vous êtes tous associés démocratiquement à toutes les grandes décisions et ça commence dès maintenant. Ouais. Donc je propose un vote à main levée, que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Ok, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc le projet est accepté à l'unanimité et sera transmis aujourd'hui même au groupe Smartex. Ouais. Tiens, mets-moi un peu de beurre là. Le curry, c'est bon. Au revoir. Allez, c'est bon, tu m'as envoyé. Ouais. À la 4, ils veulent féliciter le chef. Eh bien. Non, il n'y a qu'un chef ici, c'est toi. Allez. Bah, ils ont l'air d'aller mieux tous les deux. Bah, c'est pas les seuls à aller mieux. Moi, je suis heureux. Bah, c'est vrai, on se retrouve tous comme au premier jour. C'est ça qui nous manquait. Une bonne petite entreprise familiale. Ouais. Bon, les cafés, c'est pour moi. Merci. Attention. Hé, les gars, là, les magrets de la 4 et les desserts de la 5, ça vient? Oui, oui, chef! On va dans les vignes. À tout à l'heure, mon cœur. Tout à l'heure. On va dans les vignes. À tout à l'heure, mon cœur. Tu vois, je suis heureux de te retrouver. Moi aussi. À ce soir? Ouais. Hey, t'as vu? Ce soir, on est complet, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. Ah bah, ça, c'est l'effet Julien, ça. Oh, ouais. Ah, c'est pas de ma faute, je porte bonheur. Tiens, touche ma bosse. Ah. Ouais. Tu sais, je suis content que ton père ait décidé de plus asseoir à une table de jeu. Moi donc. C'est vrai que ça a été une sacrée victoire sur lui-même. Mais je te cache pas que ça a été dur. D'autant que ça devait coûter cher, tous ces voyages du Maroc au casino de Saint-Honoré, ben c'est pour la porte à côté. T'étais au courant? Un jour, par hasard, j'étais au casino avec un vieux client. Je t'ai vu à la table de Blackjack. Tu tirais une de ses tronches. Je me suis dit que ça devait pas rigoler. D'ailleurs, je suis passé devant toi, tu m'as même pas reconnu. Et t'as rien dit à personne? Parole de scout, même pas à Catherine. C'est pour faire chier ceux qui pensent que je suis pas capable de garder un secret. T'es un mec bien, Jacques, tu sais. Non, c'est vrai. Et puis, je suis content qu'on se retrouve. Confidence pour confidence. Moi aussi. Je n'ai pas encore la réponse définitive, mais je ne crois pas trahir un secret en disant que c'est bien parti. Faut dire que notre dossier tient vraiment la route. Ah, oh, dis donc, ça me donne envie de boire quelque chose. Froid ou chaud? Pétillant. Je tiens tout d'abord à porter un toast à ma première adjointe, qui, avec une infatigable ténacité, est en train de sauver notre village du naufrage. Merci. Et bien sûr, à Rennes, notre nouvelle citoyenne d'honneur, qui a amené tout son savoir-faire à ce formidable projet. Merci, à vous aussi. Santé. Oh, formidable. À toi, ma belle. Méline. Très bon. Tu m'excuses? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est belle? Que des conneries toute la soirée en cuisine. Je peux pas m'empêcher de te regarder. Tu sais que t'es de plus en plus belle. Plus belle que quand tu m'as connue? Peut-être, ouais. C'est marrant. Une femme est souvent plus belle quand elle est avec un autre homme. J'aimerais tellement que... T'aimerais tellement quoi, Jérémy? À l'époque, c'est toi qui es parti pour épouser ta cousine, au Brésil. J'avais pas l'impression que tu tenais vraiment à moi. Dans ma culture, les femmes montrent peu leurs sentiments. Elles pensent que les hommes sont assez malins ou assez intuitifs pour se rendre compte.
t'es rendu compte de rien. Quand tu m'as laissé tomber, j'ai beaucoup souffert. Je peux pas imaginer que t'aies prouvé rien pour moi. Je suis mariée maintenant. Je suis heureuse. Bah quoi ? On n'a plus le droit de bavarder avec une copine ? Ah, parce que toi t'appelles ça bavarder ? Moi j'appelle ça faire du rentre-dedans à la femme du maire. N'importe quoi. T'arrêtes, monsieur le faux-cul, oui ? Tu crois que je l'ai pas vu, ton petit manège ? T'es en train d'essayer de te taper la femme du maire et moi je vois des voyants qui clignotent en disant danger, 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 danger ! Mais t'es malade ? Mais non, je suis pas malade. Je suis pas conne non plus, je suis réaliste. Oh là là ! Oh, le mec ! Gibson acoustique. Si on m'avait dit que je t'en vendrais une un jour... Ça fait seulement 20 ans que j'en rêve. Bah, t'arrêtes pas la batterie quand même. Ah non, non, bien sûr. Non, non, les guitares, c'est pour composer. Ah bah, appelle-moi un de ces jours, qu'on se fasse un bœuf. J'y manquerai pas. À bientôt. Ciao. Oula, t'as dévalisé la ville. Oh, j'ai plus rien à me mettre. Moi non plus, j'avais plus rien à me mettre, alors regarde. Wow, elle est superbe, hein. J'ai hâte d'en jouer. On va voir un coup ? Ouais. Allez. Bonjour, monsieur. Deux eaux minérales, s'il vous plaît. Ça te va ? Oui, ça va, ça va. Les deux types derrière nous sont eux qui ont agressé Nouredine. T'es sûr ? Ça fait aucun doute. Surveillez-les, je vais appeler les flics. T'es à goût, dis-moi. Ça mériterait d'être un peu plus crémeux, non ? Moi, je rajouterais une petite louche de bouillon de volaille. Ouais. Ah. Allô, oui ? Oui ? Non, sans blague. Ah oui, Judy. Judy qui arrive tout de suite. Fred et René, ils ont retrouvé tes agresseurs. Les gendarmes les ont arrêtés. Ils t'attendent pour la confrontation. Allez ! Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible ? Oh, mais je croyais que toute cette histoire était derrière moi. Vous savez, des semaines que j'ai pas joué. Enfin, Jacques, je pourrais plus jamais regarder quelqu'un en face, c'est horrible. Ben, je comprends rien à ce que tu dis. Mais ces types-là, ils m'ont pas agressé, ils sont venus récupérer une tête de jeu. Oh, putain, du coup, Fred va savoir ça. Oh, ma vie est foutue. Putain, ma vie est foutue. Ma vie est foutue. Ma vie est foutue. Allô, Catherine ? Il faut qu'on file tout de suite à Auxerre. Il va se produire un drame. Un drame ! Tape ! Vous voulez dire que c'était pas un braquage ? Non, madame. Il s'agit plus ou moins d'un remboursement. Votre mari avait d'ailleurs signé une reconnaissance de dette. Il est très connu comme joueur. Il fréquente les casinos de la région, les cercles de jeu, même les clandestins. Je suis désolé que vous l'appreniez de cette manière. Oui, mais... Enfin, ils l'ont quand même agressé. Oui, oui, bon, ils l'ont secoué un peu. Mais on ne peut rien faire. Votre mari a retiré sa plainte. Enfin, mais pourquoi il a fait ça ? Il l'avait sans doute menacé de tout vous dire. Et ça, il n'en voulait aucun prix. C'est incroyable, ça. Notre gendre est un joueur invétéré et tu ne m'en as pas dit un mot. Mais parce que j'étais pas sûr. Oh, dis donc. Si t'avais parlé à chaque fois que t'étais sûr de quelque chose, tu l'aurais pas ouvert souvent. En fait, je me suis dit qu'après tout, c'était sa vie privée. Oh, sa vie privée, c'est la meilleure. Non, mais franchement, depuis quand est-ce qu'on respecte la vie privée à l'intérieur de cette famille ? Ça va être de ma faute. Quel con, quel con, quel con ! Merde, merde, merde !
Eh bien, chère madame, si votre mari était joueur, je lui conseillerais d'aller directement au casino, de jouer au loto ou à n'importe quel jeu de hasard. C'est vraiment son jour de chance. Le poignet droit fracturé, c'est tout. C'est un miracle. Oh, on peut le voir? Myriam s'y oppose, je vous en prie. Non, non, j'y vais toute seule. Je crois que maman a raison. Tu l'embrasseras pour moi? Oui. Tu lui souhaites bon courage, hein? Oui. Tu lui fais un bisou. Embrasse-le fort. Oui. Oh, moi aussi. Ok. Allons-y. Eh bien, voilà notre miraculé. Je vous laisse. Merci. Tu fais semblant de dormir? C'est parce que j'arrive pas à te regarder en face. Alors je fais quoi? J'ai acheté une canne blanche. Ça a commencé sur Internet. Sur un site de poker en ligne. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré. Après, je suis allé dans une salle de jeu, et puis au casino. Ma vie tous les jours ne suffisait plus. J'ai besoin des cartes, des jetons, du bruit de la roulette. De rien ne va plus. C'était devenu une addiction. Puis je jouais, puis j'en avais besoin. Puis j'en avais besoin, et moi j'ai osé t'en parler. Puis je t'ai trahi, Fred, c'est grave. Ce qui est grave. C'est qu'après toutes ces années communes, t'as pas eu assez confiance en moi pour me dire « Écoute, Fred, j'ai fait des conneries, j'ai besoin d'un coup de main. » Et puis ça veut dire que moi aussi, j'ai loupé un truc. Tout est pour rien. C'est moi qui manquais de courage. Et puis il y a quelques semaines, j'ai arrêté de jouer. Alors je me suis dit que tout ça était enterré et que personne n'en saurait rien. En même temps, j'étais pas bien. Finalement, tout ça a éclaté aux bourgeoises. Ça me soulage. Et l'accident? C'était un accident ou... Je sais pas. J'étais pas moi-même. Je crois que je voulais disparaître. Enfin, mais... T'as pensé à Carla? À moi. Putain, à nous. Pour être franc, c'était moi contre moi, rien d'autre n'existait. C'est tellement dur de se rendre compte que finalement on compte si peu pour la personne qu'on aime le plus au monde. Occupe-toi des saucisses, toi. Voyons regarder les filles. Bah quoi, c'est de son âge de regarder les filles. Moi, je trouve qu'il les regarde pas assez. Continue, mon gars. Hein. Il y a une chouette petite blonde là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, ta mère? Rien, c'est pas de ton âge. Dis donc, René, je savais pas que tu jouais aussi bien. Ah, c'est pas moi, c'est ma guitare. Elle est amoureuse. Ah. Amoureuse? Mais décidément, tout le monde parle d'amour, ça doit être la saison. Regardez ce qu'ils sont bien. Oh, j'ai l'impression qu'on va réussir notre coup. Dis pas ça, je suis superstitieuse. Ah, Catherine a raison, le temps est à l'amour. Regardez. Oh, oh mon téléphone. Allô? Oui, bonjour Marie, oui. Oui? Ah bah bien sûr, tu penses, bien sûr, on y sera. Hein? Ok, au revoir. Oh, oh, dis donc, l'anniversaire d'Audrey, c'est vendredi prochain, on va tous à Paris, j'avais complètement oublié. Si on allait fêter ça au Villaret. Tu te souviens des écrevisses qu'on a mangées la dernière fois? Oh, le Villaret, mais c'était il y a 3 ans. Non mais attends, tu te souviens de ce qu'on a mangé il y a 3 ans? J'ai la mémoire des sens, chérie. Respect. Tu vas être contente, hein? J'espère bien. Si tous les mômes sont là, d'ailleurs, je suis pas sûr. J'espère qu'ils sont là. Ah, oh, bah les voilà! Ah, ah bah je commence à avoir une de ces fins, moi! Ça va?
J'ai toujours adoré les fêtes surprises. Bon, en fête surprise, elle va être gâtée. Il manque plus qu'Audrey. Eh ben, il y a Claire et Marie qui la ramènent. Bon, en tout cas, elle se doute de rien. Pardon. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble. Ah, Nico. Ouais, ça nous avait manqué. Hey, j'espère bien qu'elle va être contente, surtout. Espérons. Ah bah tiens, et après, voilà. Elle nous en fout une tête. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Qu'est-ce qu'elle a? Elle habite plus chez elle. Hein? Bah, elle habite où? Bah, personne ne sait. Mais la concierge, t'as parlé à la concierge? La concierge, elle sait rien. Elle sait juste où elle travaille. Elle m'a donné cette carte. Et elle travaille plus dans son laboratoire? Bah, il semble que non, elle travaille là. Le lipstick? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, t'es en train de nous dire que ta mère a disparu? Bah, elle a peut-être déménagé. Déménager sans prévenir personne, ça s'appelle disparaître. La mia donna, lacrima blu, alla follia, amore blu, un'diata rossa, sacra famiglia. Incendio blu, la fiesta blu, lacrima blu. Grazie Fellini, lacrima blu. Capofamiglia, lacrima blu. Laggiù la sposa, eterna mamma, va sempre più bacino blu, lacrima blu.